Bonjour tout le monde, bienvenue, ici Jake, vous êtes sur Iva Sound Studio. Iva Sound Studio, qu'est-ce que c'est? Comme d'hab, on le dit à chaque fois, c'est du gaming, de la radio, d'autres choses, plein d'autres choses et plein de choses à faire partager, surtout des bonnes valeurs et des messages à faire passer à travers les jeux notamment. Et le message du jour, et comme régulièrement depuis quelques semaines, c'est qu'on peut mélanger sport et jeux vidéo et prendre soin de soi si... Hop là, ce serait bien que mon Joy-Con se mette en place. Et du coup, c'est pour ça que, pour ma part, je vous propose du Ring Fit Adventure. Tout simplement, utiliser son corps pour jouer à un jeu vidéo. En l'occurrence, des exercices très sérieux, très pro, faut dire ce qu'il y a, de fitness et de sport pour prendre soin de soi, prendre soin de son corps, mieux maîtriser sa respiration aussi, je m'en suis rendu compte lors des dernières séances. Donc voilà, on est parti, on va voir si tous ces outils peuvent se remettre en place, parce que je vois que mon Joy-Con gauche est mal détecté, mais c'est pas grave, on va faire avec. Allez, comme d'hab, la force, c'est le matin. C'est compliqué le matin, on le sait très bien, mais on se motive et on y va. Je sais pas si c'est mieux ou pas que la dernière fois en vrai. Bon, tout ça on le sait. On les a lus plein de fois. L'idée c'est d'attaquer le jeu. Oui, on y va. Espace nécessaire pour jouer, c'est bon. Et on va commencer par l'échauffement. C'est notre cinquième session. Vous en êtes déjà au jour 5 de votre aventure. Clap, clap, clap. Bravo, la clé, c'est la persévérance. Vos efforts seront sûrement récompensés. Récemment, vous avez beaucoup pratiqué l'exercice flexion triomphale. En même temps, c'est celle qu'on fait le plus. Enfin, à chaque fois du moins, elle est là à chaque session parce qu'on n'a pas trop le choix. C'est un bon exercice pour travailler les muscles proches de la colonne vertébrale. Ça tombe bien. Ce sont les muscles mes plus faibles que j'ai, moi. Par ailleurs, il peut aussi contribuer à améliorer votre posture. Ça tombe bien. C'est le but que je fasse ces exercices-là. Le kiné n'a eu de cesse de le répéter. Au fait, souhaitez-vous ajuster l'intensité d'exercice? Non, c'est très bien comme ça. C'est déjà assez difficile. Donc on y va. Oui, commençons par l'échauffement, parce que sinon, ça va être le décès. Imitez les gestes de Posy. 1, 2, 3, on y va. Levez alternativement les genoux pour toucher le Ring-Con. Levez bien les genoux plutôt que de les avancer. Une dernière fois. Bien. Vous voyez pas trop, je crois. L'exercice suivant consiste à monter les talons. Levez-les alternativement pour toucher le Ring-Con. Gardez les genoux ouverts vers l'extérieur. Et comme d'hab, la jambe droite, j'y arrive pas. Une dernière fois. Bien. J'ai baissé un poil la caméra. Passons aux étirements du dos. Tac. Mettez une jambe en avant et abaissez le bassin. Attention à ne pas trop avancer les genoux. Assurez-vous d'avoir les orteils pointés vers l'avant. Une dernière fois de chaque côté. C'est bon? Oui, comme ça. Écartez les pieds et passons aux étirements latéraux. Levez le Ring-Con et penchez-vous sur le côté. Faites en sorte de garder le bas du dos bien droit. J'ai juste le dos qui craque, mais c'est pas grave. Penchez-vous tout en expirant. Une dernière fois de chaque côté. J'ai un peu plus de mal que la dernière fois encore, ouais. Il y a moyen de vous rendre compte des efforts que vous avez faits. Consultez le journal d'exercice. Via le menu, ok. Chapitre 5. Drago contre les 4 mètres. Ah, d'accord. Nouveau titre. Ok. Le petit XP pour les étirements, c'est gratuit. Résumé de l'histoire. Vous avez vaincu Drago, comme à chaque épisode en fait. Malheureusement, il s'est de nouveau enfui en disant qu'il allait renforcer ses défenses. Que voulait-il dire par là? Vous allez devoir tirer cela au clair. En attendant, vous pouvez vous féliciter d'avoir amené la bonne humeur à Sport.
Drago n'est pas là, tant mieux. Il a parlé de renforcer ses défenses et m'a rapproché de le harceler. Alors j'imagine qu'il est sur ses gardes. Trois petits points. On est bien d'accord que ce n'est pas du harcèlement. Oh, ça y est, on va jouer sur les mots maintenant. Commençons par essayer de trouver où se cache Drago. Il y a un village droit devant, allons voir là-bas pour commencer. D'accord, alors on remarque une chose sur la map par rapport aux autres maps, c'est qu'il y a des nouvelles icônes. Et surtout, on voit qu'elle part sur la droite, donc ça veut dire qu'il n'y a pas que ça à faire aujourd'hui. Comme d'hab, je vais essayer de faire le chapitre en entier sur la session. Néanmoins, si à un moment donné mon corps dit non, mon corps dira non. Voilà. Allez, disons-le, direction le village. Sachant qu'il y a des quêtes au village, on s'en souvient. J'ai raté des quêtes lors des fois précédentes. Bienvenue à la boutique numéro 3. Si vous cherchez des smoothies ou des équipements pour vos activités sportives, vous avez frappé à la bonne porte. Il y a des nouvelles choses. Un jus de grenade. Les techniques deviennent... La grenade riche en antioxydants ajoute aussi une touche de rouge à vos smoothies. En combat, techniques deviennent... Donc en gros, c'est changer la couleur d'une technique, c'est ça? Je le supposais que c'est ça, j'ai un doute, mais... Ok. Alors, du coup, on récupère des fraises. Ouais. Et des pommes. D'accord. Oh. Ah, des nouvelles tenues. Alors, on a Brasio Volt, qui augmente beaucoup l'attaque. Il est marqué perle 1 sur 5, là. Là, il n'y a rien de marqué. Et là, il n'y a rien de marqué. Tenue complète, puissance des attaques bleues, plus 5%. Jaune, plus 5%. Rouge, plus 5%. Je sais plus du tout quelles attaques j'ai le plus. Du coup, je vais me fier à... Je sais pas. Je sais pas du tout. On va partir sur du rouge. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a écrit perle, en fait. Et les autres, pas vraiment. Est-ce qu'on peut l'acheter? C'est cher, hein. Mais j'achète. Rouge. Hein, vu que j'avais dit... rouge. Et qu'il faut le bonus. Non, reviens sur la tenue, on n'a pas pris les baskets. Voilà, donc là normalement, voilà, donc l'effet est activé. J'ai bien la puissance des attaques plus 5%. C'est bon en fait. Oui. On va voir la quête. Ce garçon pratique son coup de poing direct avec beaucoup d'assiduité. Cet exercice nécessite bien sûr des bras et un dos puissants, mais aussi un bon équilibre dans le bas du corps. C'est un mouvement plutôt difficile. Qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas vraiment le temps. Je m'entraîne pour pouvoir rencontrer les 4 maîtres. Les 4 maîtres, point d'interrogation. Vous ne savez pas qui c'est? Non. Ce sont pourtant de véritables stars. Ils ont tous atteint la perfection dans leur domaine. Mais en fait, ça va être les maîtres de chaque couleur, quoi. Il y a maître Manjaba, Majamba, la spécialiste des jambes. Maître Cobra, l'expert des bras. Maître Abdonis, le pro des abdos. Et bien sûr, Mémé Équilibre, la virtueuse de l'équilibre. Seuls ceux qui ont été choisis par les 4 maîtres ont le droit de les rencontrer. C'est pour ça que je m'entraîne dur. D'ailleurs, je m'y remets, désolé. On dirait que les villageois ne sont pas sous l'influence néfaste de Drago. Mais ces 4 maîtres savent sûrement quelque chose à son sujet. Ce garçon a dit qu'il fallait être choisi pour pouvoir les rencontrer. Ma foi, on verra bien quand on les aura trouvés. Alors, une petite fille qui nous dit pêche au poivron. Il y a des gens qui se demandent si leur derrière est plutôt en forme de pêche ou de poivron. Quelle drôle d'idée. Je comprends pas trop le problème, mais moi je préfère largement les pêches. D'accord, je me suis jamais posé la question en fait et ça ne m'intéresse pas vraiment. Mon fils parle sans arrêt des 4 maîtres, vous les connaissez? Ah, c'est la maman du petit. Il y a Majamba, oui mais elle a déjà, on l'a assez de choses.
On le sait déjà. Ouais, n'oubliez pas d'étudier. C'est vrai, pardon, je suis un peu crevé déjà, mais bon. Une jeune femme qui pleure. Non, je ne suis pas triste, j'ai juste coupé des oignons. D'accord, très bien. La viande est encore meilleure si vous la faites revenir avec des oignons. Si vous le dites. Et on va pouvoir partir. Ici, niveau 27, je suis niveau 29. Il y a de l'eau, va y avoir du saut. Ok. S'il faut s'entraîner pour avoir le droit de les rencontrer, eh bien, je crois que nous l'avons bien mérité. Peut-être que nous pourrons parler aux 4 mètres plus vite que prévu. En effet, vous vous êtes bien entraîné, ma jambe, bah tiens, la première. Oh ! Point d'exclamation, point d'exclamation ! Je suis Majamba, l'une des 4 maîtres et la spécialiste du travail des jambes. Vous souhaitez nous voir, n'est-ce pas? Si vous réussissez à terminer ce parcours, j'accepte d'écouter votre demande. Alors, on est sur du 8 minutes. 4000 d'expérience. Donc normalement, on prend un niveau à la fin. Et on va parler des jambes et technique bleue. Ça va vouloir dire qu'il va falloir travailler les cuisses. Allez, go. Oh là, qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est le paddle. Ok. Compressez-moi contre vos abdominaux et faites pivoter votre buste sur les côtés. Oui, je désactive les vibrations. Il y avait un poisson. Ah, génial, à contre-courant. Wow! Ok. Pardon les flammes roses, on passe. Oh, nouveau, c'est un nouveau monstre. Il est bleu. Commençons par ce qui nous fait souffrir à chaque fois le plus. Levez de genoux. Bougez avec beaucoup d'énergie. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Faites des gestes amples. Maximal. À droite, à gauche, vous êtes à la moitié. À droite, à gauche, à droite, au corps vite. À droite,
abdominaux plutôt que vos bras. Ça m'a fait mal. Choisissez une technique. C'est quoi ça déjà? Tension de bras. Pivotez les bras. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est super dur. 1, 2, 1, 2. Contractez les fessiers. Il faut avoir les bras plus tendus. Joli combat. Ok. Chose, il vous suffit de m'étirer. Allez, il y en a 5 cette fois. Que du bleu ? Bien, choisissez une technique. Levez de genoux. Levez de genoux. Bougez avec beaucoup d'énergie. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Entrez dans le rythme. À droite, à gauche, à droite. Vous êtes à la moitié. À gauche, à droite, à gauche. Encore 10. À droite, à gauche, à droite. Encore 5. À gauche, à droite, à gauche. Parfait. Bouclier d'abdos. 5, putain. Pressez avec les jambes légèrement pliées. Choisissez une technique. Triomphale. On y va. Exercez votre dos. Magnifique. Super. Superbe. Excellent. Excellent. Joli. Superbe. C'est ça. Bravo. Très bien. Bien joué. Bien joué. Continuez à presser. Pas de rester hydraté. Pression de cuisse.
parti. Ne faites pas tomber le ringtone. Super. Génial. C'est bien. Vous l'avez eu. Relevez-vous tranquillement. Bouclier d'abord. Encore. Ça suffit là, les boucliers d'abdos. Expirez tout en contractant vos abdominaux. Tenez bon. Levez de genoux. Bougez avec beaucoup d'énergie. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Un point. Oh putain. Pressez avec les jambes légèrement pliées. Ne vous surmenez pas. Faites une pause si nécessaire. Torsion de bras. Pivotez les bras. Et 1, 2, et 1, 2, et 1, et 2, et 1. Faites de beaux rêves. Ennemi et coriace, tenez bon. Levez de genoux. Bougez avec beaucoup d'énergie. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Voilà, ça c'est fait. Quel combat épique. Ah punaise. Voilà. Ok, recette. Bien joué. Des pagues. Ouais, tu vois, des pagues. Bien joué. Oui, alors l'eau ne va pas dans deux courants différents par contre. Convertissez votre entraînement en point d'expérience en prenant la pause de la victoire.
Abaissez votre bassin pour charger votre puissance de... Étirez votre pique. Au début de stream, j'ai confondu la flexion triomphale avec la pose de la victoire. Oui, s'il vous plaît, on fait ça. Posez votre pouce droit sur la caméra infrarouge comme indiqué. Mesure en cours. Ne retirez pas votre pouce. Ah, quand même. Vous avez fait une belle course, comme je m'y attendais. Quel est votre nom? Jake, oui. Ça sonne tellement bien que j'en ai des frissons des solaires. Dans les solaires, je sais pas ce que c'est. Je supposais que c'est des muscles des jambes. De quoi vouliez-vous me parler? Trop petit point. Je vois, et ce dragon que vous cherchez, est-ce qu'il ressemble à ça? Bah oui. Je dois en discuter avec les autres maîtres. Si cela vous convient, retrouvez-moi plus tard au col du butin. Ouais, on va d'abord faire ça. La salle de jeu. Le rang B, ok. Faut faire quoi? Squat. On y va. Pliez les jambes en expirant. Bon travail. Joli. Bien joué. Pas si fort, putain. Très bien. Super. Fantastique. Encore. Allez. Superbe. Génial. Bravo. Encore trois. Joli. Excellent. Excellent. Une dernière fois. Ok. Oui. Levez de genoux. Bougez avec beaucoup d'énergie. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Cet exercice cible les fessiers. À gauche, à droite, vous êtes à la moitié. À gauche, à droite, à gauche, à droite, encore 10. À droite, à gauche, à droite, à gauche, encore 5. À droite, à gauche, à droite. Bien. Grimpeur. Quoi? Pardon? Oh putain. Avec beaucoup d'énergie. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Levez les genoux jusqu'à la poitrine.
flexion de cuisse. C'est parti! Ne faites pas tomber le ring-con! Ouais, c'est ça! Bravo! Magnifique! Continuez comme ça! Beau travail! Encore 5! Excellent! Encore 3. Une dernière fois. Bien. Ça. Ouais. Cool. Ouais, ça fait XP quand même. Allez. Allez, continuons. Expirez en abaissant le ring cone. Magnifique! Fantastique! Bravo! Continuez comme ça! Bon travail! Joli! Joli! Super! Fantastique! Superbe! Ouais, c'est ça! Bravo! Bien joué! Formidable! Très bien! Excellent! Super! Passons à la vitesse supérieure! Excellent! Fais de beaux rêves! Expirez tout en contractant vos abdominaux.
utiliser une technique. Torsion de bras. Pivoter les bras. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Faites travailler le dos et les épaules. Et 1, 2, 1. Vous êtes à la moitié. Un de moins. Continuez à presser. C'est pas fini. Choisissez une technique. Levez de genoux. Bougez avec beaucoup d'énergie. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Étirez bien votre dos. À droite, à gauche, à droite. Vous êtes à la moitié. À gauche, à droite, à gauche. Encore 10. À droite, à gauche, à droite. Encore 5. À gauche, à droite, à gauche. Excellent. Bouclier d'abdos. Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras. N'oubliez pas de rester hydraté. Penchez lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position de départ. C'était pas de la tarte. Une technique pour attaquer. Flexion triomphale. C'est parti. Travaillez votre tronc. Superbe. Très bien. Bravo. Génial. Bien joué. Excellent. C'est bien. Bon travail. Magnifique. Excellent. Super. Joli. Un peu plus vite. Ouais, c'est ça. Très bien. Encore trois. C'est bien. Bien joué. Une dernière fois. Ok. Parfait. Bien, choisissez une technique. Pivotez les bras. 1, 2, 1, bien. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tournez les poignets sans bouger les épaules. 1, 2, vous êtes à la moitié. 1, 2, 1, 2, 1, 9, 1. Encore 10, 2, encore 5, 1. Excellent. Pressez avec les jambes légèrement pliées. N'oubliez pas de rester hydraté. Posture du guerrier 1. Penchez lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position de départ. Allongez le dos en gardant le buste bien droit.
Même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer de jambe. Penchez lentement vers la droite. Revenez lentement à la position de départ. Attention à ne pas trop incliner votre buste. Vous brillez de sueur. C'était super. Abaissez votre bassin. Étirez-vous. Ça, je pourrais pas faire ça. Ça, c'est pas possible. Pas du tout. Il y a un tourbillon au-dessus. Oh, Gossard. La case losange m'inquiète un peu, hein, celle qui vient par la suite. Ouais, on y croit pas. On y croit, on y croit. Ça m'a fait peur. Oh! Soixante. J'ai pas pu la signer. Ah, mais elle m'a tout remis. Ok. Pression de cuisse. Hop là.
C'est parti. Ne faites pas tomber le ringtone. Excellent. Parfait. Magnifique. Excellent. Beau travail. Très bien. Ouais, c'est ça. Super. Super. Joli. C'est bien. Super. Bien. Génial. Excellent. Un peu plus vite. Bien joué. Fantastique. Encore trois. Ouais, c'est ça. Bravo. Une dernière fois. Ok. C'était de beaux mouvements. Hop. Oh, il y en a plein. Les pics bébêtes réagissent au mouvement. Changez-vous en arbre et attendez qu'elles disparaissent. Changez-vous en arbre. Quoi? Jusqu'à ce qu'elle soit partie. On dirait qu'elles ont lâché l'affaire. D'accord. Puzzle time. C'est ça, continuez à me presser contre votre abdomen. Choisissez une technique. Pression de cuisse. On y va. Utilisez vos cuisses comme un casse-noix. Appuyez plus fort sur le ringtone. Très bien. Bien. Excellent. Magnifique. Super. Bravo. Joli. Passons à la vitesse supérieure. Très bien. Vous y êtes. Encore trois. Magnifique. Superbe. Une dernière fois. Oui, c'est ça.
Relevez-vous tranquillement. Bouclier d'abdos. Expirez tout en contractant vos abdominaux. Choisissez une technique pour attaquer. Levez de genoux. Bougez avec beaucoup d'énergie. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Levez bien les genoux. À droite, à gauche, à droite. Et bim! C'est pas fini? Choisissez une technique. Squat. On y va. Gardez le bassin poussé vers l'arrière. Bien joué. Joli. Superbe. Formidable. Beau travail. Fantastique. Bien. Génial. Bravo! Fantastique! Essayez de vous surpasser! Très bien! Encore trois! C'est bien! Super! Une dernière fois! Ok! C'est ça! Bouclier d'abdos! Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras! N'oubliez pas de rester hydraté. Pression de cuisse. C'est parti. Cet exercice fait travailler les jambes. Superbe. Bon travail. Continuez comme ça. Ouais, c'est ça. Super! Excellent! C'était pas de la tarte! Choisissez une technique. Pression de cuisse. C'est parti. Cela fait travailler le bas du corps. Magnifique. Fantastique. Très bien. Super! Bien joué! Formidable! Bravo! Bravo! On accélère! Ouais, c'est ça! Oui. Bien joué! Bouclier d'abdos! Pressé. Choisissez une technique pour attaquer. Levez de genoux.
beaucoup d'énergie. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Levez les genoux peut faire travailler les abdos. À gauche, à droite, vous êtes à la moitié. À gauche, à droite, à gauche, encore 10. À droite, à gauche, à droite, encore 5. À gauche, à droite, à gauche. Excellent. Bouclier d'abdos. Pressez avec les jambes légèrement pliées. N'oubliez pas de rester hydraté. Squat. C'est parti. Gardez le dos droit. Bien joué. Parfait. Bien. C'est bien. Excellent. Excellent. Joli. Super. Super. Continuez comme ça. Beau travail. Joli. Bon travail. Un peu plus vite. Continuez comme ça. Encore 3. Magnifique. Prends ça. Bouclier d'abdos. Expirez tout en contractant vos abdominaux. Tenez bon. Pression de cuisse. On y va. Expirez quand vous fermez les jambes. Super. Génial. Fantastique. Très bien. Bien joué. Fantastique. Beau travail. Génial. Superbe. Formidable. Ouais, c'est... Passons à la vitesse supérieure. Bien. Fantastique. Très bien. Bien. Une dernière fois. C'est ça. Relevez-vous tranquillement. Bouclier d'abdos. Pressez avec les jambes légèrement pliées. Bien, maintenant choisissez une technique. Squat. C'est parti. Pliez les jambes en expirant. Bravo! Bon travail! C'est bien! Super! Superbe! Bravo! Bravo! N'oubliez pas de vous hydrater! Vous avez réussi. Abaissez votre bassin. Étirez-vous. Victoire.
Non, c'est pas du tout ça. Là, il est complètement faussé, là. D'accord. Fait. Abaissez votre bassin. Étirez-vous. Fais-toi. Voilà, ça c'est crédible. Il y a des quêtes.
On fait la recette déjà. J'ai pas la recette. J'ai pas la recette. Qu'est-ce que c'est que ça? Attention, c'est parti! Ouvrez bien votre parachute! Travaillez sur votre posture. Oh putain! Levez les bras et faites attention en vous penchant! Attention, c'est parti! Quel talent! C'est ultra difficile. Et j'ai pas le smoothie pomme. Je suis dégoûté. Ah!
Arène du gros dur. C'est un boss. C'est un boss. Choisissez une technique. Flexion triomphale. C'est parti. Exercez votre dos. Magnifique. Génial. Joli. Beau travail. Superbe. Jouer. Super. Superbe. Formidable. Excellent. Continuez comme ça. Bon travail. Parfait. Bravo. Joli. Très bien. Passons à la vitesse supérieure. Fantastique. Joli! Encore trois. Superbe! Bon travail! Une dernière fois! Ok! Excellent! Bouclier d'abdos! Continuez à presser! Oh putain, les dégâts! Choisissez une technique! Torsion de bras! Pivotez les bras. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ça fait travailler le haut des bras. 1, 2, 1. Vous êtes à la moitié. 2, 1, 2, 1. Bien. 1, 2. Encore 10. 2, 1. Encore 5. 2. Parfait. Tenez bon. J'ai que rien en rouge. Penchez lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position de départ. Attention à ne pas trop incliner votre buste. Calquez votre vitesse sur celle du modèle. Penchez lentement vers la droite. Ne forcez pas en levant les épaules. Vos mouvements sont un peu trop rapides. Revenez lentement à la position de départ. Bien. Bouclier d'abdos. Expirez tout en contractant vos abdominaux. N'oubliez pas de rester hydraté. Ah, je reviens. Merci. Bon courage. Encore une fois, toujours la même chose. Thank you.
triomphale. C'est parti. Travaillez votre tronc. Super. Et revenez. Bien. Fantastique. Bien. Excellent. C'est bien. Ouais, c'est ça. Bravo! Bien! Très bien! Super! Ouais, c'est ça! Un peu plus vite! Bon travail! Bravo! Encore trois! Excellent! Magnifique! Une dernière fois! Joli! Impeccable. Totalement triché. Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras. Ennemi et coriace! Tenez bon! Pivotez les bras! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tournez les poignets sans bouger les épaules. 1, 2, vous êtes à la moitié. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Encore 10. 2, encore 5. 1, parfait. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Pression vers le bas. Pressez fermement le Rincon. Continuez à presser le Rincon. Allez vite. Bien, maintenant choisissez une technique. Faire un peu de cuisseau. On va faire un peu de cuisse. Ça changera des bras un peu. Allez. C'est parti. Expirez quand vous fermez les jambes. Fantastique. Super. Magnifique. Bien. Bien joué. Oh punaise. C'est bien. Joli. Très bien. Essayez de vous surpasser. Bravo. Fantastique. Encore trois. Vous y êtes. Très bien. Une dernière fois. Bien. C'est ça. Relevez-vous tranquillement. Bouclier d'abdos. J'en ai marre des boucliers d'abdos, arrêtez avec ça. Salut Yakipo, désolé, mais je suis HS, j'en peux plus. Courage pour ta session. Merci, je t'aurais bien suivi, mais j'avais des choses à faire à l'appart. Ben, aucun souci, t'inquiète pas. Aucun souci. Allez. Allez. Pressez avec les jambes légèrement pliées. Mais ça marche une fois sur quatre, ce truc. Et le rouge, il est toujours pas revenu. 60. 80. Flexion triomphale.
parti. Gardez les genoux légèrement pliés. Excellent. Parfait. Beau travail. Bravo. Super. Excellent. Très bien. Beau travail. Bravo. Génial. Magnifique. Fantastique. Excellent. Joli. On accélère. Bon travail. Continuez comme ça. Encore trois. Super. Ouais, c'est ça. Fini? Non. Allez, fini, 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 fini. Non, sérieux? Ne vous surmenez pas. Faites une pause si nécessaire. Torsion de bras. Pivotez les bras. Voilà, fini. Quel combat épique! Plein d'XP. Abaissez votre bassin. Étirez-vous! Victoire! Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Ah, allez, boisson. De l'eau, ça fait toujours du bien. Je l'ai particulièrement difficile à cette session. Souffle bien, bois de l'eau. Ouais, j'ai de l'eau. J'en ai encore un peu, il faudra que je remplisse la gourde à un moment donné, je pense. Ils te font le coup à chaque fois du MPV, c'est décourageant. Non, mais c'est pas grave ça, à la limite, c'est juste... C'est que le boss, donc c'est pas gênant. Non, mais là, par contre, ce matin, j'ai vraiment la session difficile. C'est pas la méga forme, j'ai vraiment difficile. Waouh, 85 d'XP. Étirement tenu, 1 point d'XP. Normalement, je suis à la moitié de ce chapitre. Qu'est-ce qui ? Quoi ? Ok. Ok. Je pense que le plus dur est fait quand même. Le plus dur, c'était les jambes. Après, c'est les bras. Les abdos. Si, les abdos, ça va être difficile. Je pense que c'est que l'équilibre que je vais bien aimer, même si je vais. J'ai pas beaucoup d'équilibre, mais j'aime bien les exercices verts en fait. Allez. Je n'ai toujours pas de smoothie à la pomme. Il reste tout ça! Il reste tout ça!
Je suis vraiment pas. Je vais pas dire que je suis hyper pas en forme, c'est pas vrai. Mais j'ai pas la forme comme les autres fois par contre. Donc je me sens pas de faire le reste. Je me sens vraiment pas de faire le reste. Et vu que c'est quand même très physique, eh ben, ce chapitre 5 sera divisé en deux. Donc voilà pour ce matin. Ça fait une heure et demie quand même, hein, en vrai. Enfin, que le live est lancé. Après, l'exercice en lui-même, il y en a un peu moins. Ouais, non, j'arrête là. J'arrête là, le chapitre 5 sera divisé en deux. C'est pas grave. C'est une question de physique à un moment donné quand même. Donc, voilà. Donc oui, je m'arrête là. Et on va passer aux étirements. Je sais plus comment ça s'appelle. La phase de récupération, ouais. Une petite demi-heure d'exercice direct. En vrai, la dernière fois, c'était un long live, mais il y avait 40 à 50 minutes d'exercice. Et là, j'ai fait 35 minutes d'exercice. Donc, en vrai, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Attendez. Oui, non, c'est bon. J'ai couru. Ok, d'accord. J'avais pas compris le chiffre de la course et du sprint, mais si, c'est bon, j'ai compris. J'ai couru à peu près 2 km, c'est pas beaucoup. Et au total dans le jeu, j'ai couru quasiment 12 bornes. C'est pas mal. Allez. Ça, on verra plus tard. Ça, on verra plus tard. À un moment donné, on passera à autre chose que l'aventure jeu vidéo. Il y aura des vrais exercices de fitness de toute façon. Bravo, merci. 400 fois les levées de genoux. Je commence à apprécier cet exercice. Il est difficile, il est très difficile, mais je commence à l'apprécier. C'est formidable, ne baissez pas le rythme. De plus, 200 fois flexion triomphale. Ok. 100 fois les cuisses. Cuisses, j'aime bien aussi, même si je sais pas pourquoi j'ai les cuisses à chaque fois qui tremblent quand je fais l'exercice, mais ça doit être normal. Je vois pas, j'ai pas l'habitude de faire travailler les jambes en fait, à part le vélo, mais c'est pas pareil, c'est pas les mêmes muscles qui travaillent. Casse-graine, c'est un nouveau titre. Oui, allez, on fait ça. Aujourd'hui, vous avez travaillé le bas du corps plus que le reste. Ben, en même temps, c'était très les jambes aujourd'hui. Hein. C'est pas moi qui ai décidé, c'est le jeu. Les étirements seront donc sur le bas du corps. Ah. Bien, commençons. Vous n'aurez pas besoin du Rincon. Pensez à votre corps et ne vous étirez pas au-delà de vos limites. Avancez la jambe droite et posez les mains sur les hanches. Pliez le genou droit pour étirer le mollet de la jambe gauche. Essayez de commencer vos repas par les légumes. Changez de jambe. Je crois que j'ai confondu la gauche et la droite, mais c'est pas grave. Ça revient au même. Étirez-vous doucement, sans forcer. Concentrez-vous sur vos entraînements pour atteindre vos objectifs. Revenez lentement. Pliez le genou gauche et tenez votre cheville derrière vous. Tirez le genou vers l'arrière pour étirer l'avant de la cuisse. Même chose de l'autre côté. Tenez le bout de votre pied pour étirer aussi les muscles du tibia. J'aime bien l'exercice. Essayez d'augmenter votre activité physique. Quand vous nettoyez le sol, par exemple, allez bien jusque dans les coins. Posez les mains sur les genoux et abaissez le bassin. Faites pivoter l'épaule gauche vers l'intérieur pour étirer la hanche. Tournez-vous à nouveau vers l'avant. À présent, étirez votre hanche droite. Veillez à ne pas tourner vos jambes vers l'intérieur. J'ai vraiment mal aux cuisses en vrai. Revenez lentement. Joignez les mains devant vous. Tournez vos paumes vers l'avant et étirez votre dos.
revenez lentement. Levez les bras et attrapez votre coude gauche. Étirez le haut du bras en tirant le coude vers le bas. Même chose de l'autre côté. Ne laissez pas votre tête tomber vers l'avant. Revenez lentement. La séance d'étirement est terminée. Allez, le petit brin de Cosette. Vaut-il mieux s'entraîner le matin ou plutôt le soir? Il faut choisir l'option qui est la plus adaptée pour vous. Ah oui, donc en vrai, on s'en fout. Je pensais que c'était mieux le matin, mais en vrai, on s'en fiche, d'accord. Ce qui nous amène à notre thème du jour. Quelle est la bonne heure pour s'entraîner? Celle qui vous permet de continuer sur la durée. Il existe diverses théories concernant l'heure de la journée à laquelle l'activité physique est la plus efficace. Mais le plus important est que vous parveniez à faire de votre entraînement une véritable routine. Essayez de choisir l'heure la plus pratique pour vous et consultez un médecin si vous avez des questions concernant le programme le plus adapté à votre situation. Bien! J'ai juste une question, une remarque de manière générale. Mais j'ai remarqué que à chaque fois que je fais ces exercices physiques, ou en tout cas je fais des exercices d'effort relativement intenses, ça m'est déjà arrivé à vélo aussi, j'ai les oreilles qui... comme une sensation qui se bouche, et du coup j'ai tout qui résonne dans ma tête. J'ai l'impression de m'entendre en double ou en triple, c'est horrible. C'est vraiment horrible. C'est une question de pression dans les oreilles, je pense. Non, ouais, ça marche à moitié. Bref, voilà. Alors, je lis vite fait. J'aurais rage-quit direct. C'est ce que j'ai fait. C'est vachement bien, mais le jeu, je le trouve inadapté pour les gens comme moi, je trouve. Non, en vrai, il est vraiment fait pour tout le monde. Il y a les exercices, je les ai choisis pour moi. Hein. Après, c'est libre à chacun de faire ses propres exercices, à son propre rythme, avec sa propre intensité. Tout le monde peut le personnaliser. Tout le monde. Et ça, il y a même certains professionnels qui le disent de toute façon, qui mettent en avant ce jeu, plutôt ce logiciel, on va appeler ça un logiciel en vrai. Il y a un truc que je ne sais pas faire en exercice, les fentes. C'est quoi les fentes? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas par où m'y prendre ou alors mon corps refuse de le faire, je comprends pas. Je ne sais pas du tout ce que c'est les fentes, les termes techniques, je ne les connais pas. Je ne suis pas certain pour le médecin. Les acouphènes? Non, c'est pas un acouphène. Les acouphènes, c'est comme si t'as un son strident. C'est pas un acouphène. Mais oui, ça aussi j'en ai de temps en temps, mais c'est pas grave. Je suis vraiment crevé, en fait. J'aurais pas tenu tout le chapitre, ça c'est clair. J'aurais vraiment pas tenu tout le chapitre. Faudra voir sur le net, c'est pas évident à décrire les fentes. Ouais, j'irai chercher ça. Hop là, j'actualise. Ah. Je suis un peu déçu de ne pas avoir fait le chapitre en entier en vrai, mais vu tout ce qui restait à faire, non, c'était pas possible. J'aurais pas tenu. Déjà que là, c'était hier difficile, j'aurais pas tenu. Donc bon. Va prendre un bon bain. J'ai pas de baignoire. J'ai pas de baignoire. Mais je suis pas très bain de toute façon, je préfère les douches. Oui, donc oui, je vais aller à la douche, mais ça tombe bien. Transition. Va chez la voisine. Ou le voisin. Voisine. Non. Je crois qu'il y a que des douches aussi dans l'immeuble en plus. Transition, je disais quoi? Je sais plus. Oui. Oui, je vais aller me poser pendant quelques heures, manger, prendre soin de moi, et je vous retrouve à 14h
sur un jeu que je pense intéressant. Ça s'appelle Heal, comme le soin, et je suppose que c'est que je vais incarner un vieux monsieur. Ça sera pas le premier jeu où je vais incarner un vieux monsieur. Et c'est un jeu sur la vieillesse, et c'est désagrément, on va appeler ça comme ça, et notamment la démence de la vieillesse. Ça, c'est un sujet lourd, très lourd, mais ça va être très intéressant, et le jeu apparemment se veut très poétique. Vraiment très très poétique. Donc on va voir ce que ça... Bonjour la gourde. On va voir ce que ça va donner. C'est le développeur qui a envoyé la clé, du coup, bon, pourquoi pas. Et ça correspond un peu au jeu que, perso, j'aime mettre en avant, donc... Voilà. Et en plus, c'est un sujet qui me touche un peu en ce moment. Donc, un peu. Voilà. J'espère que, sinon, pour vous, tout va bien, que vous avez passé une bonne matinée, que vous allez passer une bonne après-midi. Donc, pour ma part, je vous l'ai dit, je vous retrouve à 14h aujourd'hui sur Heal. Ce soir, à 21h, c'est Draken sur BioShock. BioShock, je ne sais pas du tout comment on le prononce. Moi, je dis BioShock, à voir. Et je vous retrouverai demain, à partir de midi, j'espère, pour toute la journée, sur Sonic. Alors, Colors Ultimate ou Colors Ultimate, je ne sais pas. Parce que sur le site officiel, il est marqué Sonic Colors Ultimate. Et sur la jaquette du jeu, il y a écrit... Colors. Donc, je ne sais pas. Le site officiel fait les deux orthographes. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Donc, bref, en tout cas, ça sera les couleurs ultimate, les couleurs ultimes de Sonic. Voilà, ce sera les couleurs ultimes de Sonic. Demain, pour toute l'après-midi, je pense. En espérant terminer le jeu, mais bon, vous me connaissez sur les jeux comme ça, je ne suis pas très bon. Et la semaine prochaine, il y aura plein de choses aussi. Et on vous tient au courant sur les réseaux. Suivez les réseaux. Venez sur Discord, etc. Vous connaissez la chanson. Voilà. Bon appétit, bonne fin de matinée, bon début d'après-midi, à tout à l'heure. Le cordialement bisou. Et ce sera le titre du live. Ah ben tu crois, je crois que oui, ce sera le titre du live. Voilà. Ah, allez, cordialement bisous les gens. Ah, Yanino, pardon, je n'avais pas vu. Sonic Colors est aussi connu sous le nom Sonic Colors au Japon et en Amérique du Sud, du Nord. Ah ouais, d'accord. Bah, ok. En même temps, Sega, c'est japonais, il me semble. Oui, c'est japonais. Bon, allez, à cet après-midi. Cordialement, le bisou.